La RSE, des exemples. Ces entreprises ont déjà initié une démarche RSE et témoignent de leur expérience. Pour Sébastien Plaquet, directeur du Gondwana Hotel à Nouméa, écologie, famille, convivialité et authenticité sont les valeurs qui sont au cœur de l'engagement RSE de l'entreprise. Cette démarche s'illustre au quotidien par la production autonome d'électricité et d'eau chaude, des équipements spécifiques à destination des familles, des enfants et des mères allaitantes, des plannings mensuels pour préserver la vie personnelle des collaborateurs, la mise en valeur des artisans et artistes locaux. La démarche RSE est dans l'ADN de notre entreprise. L'écologie est son pilier principal et nous sommes le seul hôtel certifié HQE, haute qualité environnementale, de tout l'outre-mer. J'encourage les entreprises à intégrer cette démarche, car c'est selon moi une étape évidente pour leur évolution. Sonia Benani est responsable QSE chez Dumez GTM Calédonie, entreprise du BTP située à Auteuil. Le bien-être au travail est la valeur phare de l'entreprise. Cette démarche, initiée en 2018 autour du plan d'action « Mangez moins, bougez plus », propose aux salariés une sensibilisation à de meilleures habitudes alimentaires et à l'activité physique. Avec l'aide de l'Agence sanitaire et sociale et d'associations de diététique, l'entreprise propose à ses salariés des repas équilibrés. Et trois fois par semaine, pour bien commencer la journée, des séances de réveil musculaire dirigées par les salariés formés ou par des coachs extérieurs. Le réveil musculaire apporte une meilleure concentration au travail ainsi qu'une très bonne cohésion d'équipe. C'est une pratique bénéfique, les salariés en sont très demandeurs. Mon conseil serait d'être attentif aux besoins des salariés et de les impliquer dans les démarches de l'entreprise pour un esprit de confiance. Christelle Alcuta est responsable QHS de la Périgourdine, conserverie industrielle basée à Nouville. En s'engageant dans le tri sélectif et la réduction des déchets, et en apportant son soutien aux filières de recyclage local, l'entreprise fait de la préoccupation environnementale sa valeur première. Voici les actions menées dans le cadre de cette démarche. Collecte et compactage des cartons. Récupération des palettes. Tri des récipients de produits sensibles. Et plus récemment, récupération des déchets organiques. Dans l'industrie, on génère des quantités de déchets. En recyclant ou en offrant une seconde vie à certains déchets par le don, on limite la pollution et la consommation des ressources. Je préconise aux entreprises de commencer une démarche RSE avec des valeurs qui les touchent afin de créer une culture d'entreprise partagée. Vous avez des idées pour développer une démarche RSE au sein de votre entreprise ? La CCI vous accompagne. Contactez-nous.